Salut, 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 c'est Paul. Ce soir, on joue à un jeu de coiffure, coiffage, coiffeur. Voilà, on joue à Barbershop, un jeu excellent qui a été nommé plus d'une centaine de fois. Donc, c'est parti. Tu vas comprendre très vite le principe. Oui, bon, déjà, ferme ta gueule, ok. Donc, help me get out of strong start by providing outstanding customer service. Bon, ok, on a des mecs à servir. Chaque siège sera quelque chose, donc celui-là c'est pour laver et celui-là c'est pour couper. Donc lui, on veut juste une coupe pour ce jeune blond. J'allais dire autre chose, mais pour l'instant on se cale et un petit shampoing pour monsieur évidemment. Donc évidemment, tu chopes les mecs, tu les attrapes par le col et tu les places directement sur le siège. C'est connu, c'est comme ça que ça marche, quoi faire. Voilà, juste la petite coupe. Je suis désolé s'il y a des bruits, c'est ce connard de perroquet. Allez, le petit shampoing. Elle était venue juste pour faire son shampoing. La pouilleuse. Je suis désolé pour les bruits. Je vais le défoncer sa gueule à cet angle. Allez, on continue. Ça va être de plus en plus dur, évidemment. Pour l'instant, c'est tranquille. Allez, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on découpe. Tu peux voir, hein, c'est un quartier où soit les gens reviennent tout le long avec une boucle temporelle qui s'arrête jamais, soit ils sont tous la même tête. Et ils sont tous de la même famille, je ne sais pas. Il n'y a plus personne. Alors, attends, on a déjà fini. Attends, j'ai un génie ou je sais pas. Ok, shampoing. C'est tout. Non, mais les cheveux sont dégueulasses. T'imagines, tu vas juste pour faire le shampoing au coiffeur, ça n'a aucun sens. Après, tu repars en mode, ah, mais non, non, mais en fait, j'étais venu vraiment parce que j'avais les cheveux, mais sales. Au revoir. Genre, ça, c'est marrant. Tester en vrai. Essaye, si t'arrives à le faire, tu me dis, tu filmes tout ça, caméra cachée. On frotte ce jeune à rien. Ah merde, pardon. You reached your target, donc on vient de finir le premier niveau. On débloque une chaise en plus, donc on peut couper, beaucoup plus, on peut couper. On peut moins asseoir, disons les gens. Le shampoing pour monsieur, y a pas de souci. Donc moi je suis roussin, hein, donc j'ai un peu une figure du démon au final. C'est pour ça que tu vas voir. Après ça va partir. Il faut aussi ne pas se tromper de siège parce que si tu la mets sur le mauvais siège, tu es viré. Si tu le fais en chambre alors que tu devais juste lui couper les cheveux, tu es viré. C'est très punitif. Il y a écrit Game Over littéralement. Allez, on vous attend les potos. Moi je suis là tranquille. On a gagné un siège de plus. On peut plus recevoir de monde. On peut amasser les clients, les mettre à la queue leu-leu. Pour l'instant, c'est tranquille. On a juste à les disposer de manière subtile et délicate et à faire notre travail. Allez, une petite coupe pour monsieur. Ouais, il en avait bien besoin, monsieur. Et le shampoing après, si tu veux. Tu choisis. C'est toi le roi. Ah, ils sont lents en fait. Ouais, c'est trop simple au début. Hop, la coupe. J'ai hâte que ça se corse. Il rigole, sourire. Tu le sais. Moi, j'aime prendre des gens heureux. Hop, ciseaux. T'as vu comment elle coupe en vrai? Elle est comme ça. T'es limite, elle lui enlève des bouts de cerveau, y'a pas de soucis. Tu vois un coiffeur? En vrai, tu vois un coiffeur te faire comme ça. Y'a un problème. Je te conseille de partir au courant. Normalement, c'est pas ça. Le shampoing, c'est ok, tu vois, mais la découpe est un peu trop violente. Ok, on a réussi le deuxième niveau. Et donc là, on débloque. We subscribed to several magazine which we can offer waiting customers.
Ça.
Je veux rose, c'est très
quand c'est moi qui choisissais la couleur, ça me laissait une certaine liberté, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Sur le sèche-cheveux. Sont cuites là, les gros. Y a trop de gens. J'ai oublié la grand-mère, putain. Eh ouais, elle s'est cassée, cette pute. Je crois que c'est fini, du coup, non? J'ai que un sèche-cheveux, putain. Mais foutez-vous sur le siège, et me cassez pas les bonbons. Oh, ça va, putain. Ça va, grand-mère, putain, mais genre tu vas bien.
J'ai réussi, putain, mais je suis un dieu. Oh, je sais pas si le jeu a une fin, mais je suis assez chaud. Là, on a qu'un shampoing, donc les crasseux, barrez-vous. Là, franchement, ils auraient au moins pu me donner une télé qui marche, quoi. Genre, à un moment donné. À un moment donné, voilà, je veux bien faire des efforts, mais quand même. C'est dommage qu'on puisse pas leur donner du thé. Kevin, il boit du thé. D'accord. D'accord, Kevin, t'en es là. Ok. Ça sèche. Je te laisse.